Il est fait passer pour une marionnette. Et quand il l'a découvert, comment il s'a... Gédéon, écoute ça. Ah, l'école, une noble institution. Que deviendrait ce monde stupide sans elle? Oh, regarde, un garçon en bois. Un garçon en bois? Regarde ça, Gédéon, c'est fabuleux. Je le sais, Stromboli. Il devra père et mère pour cette chose. Tiens, oh là là, suis-je maladroit? Ah, toutes mes excuses. J'espère que tu n'es pas esquinté. Esquinté? Abîmé, brisé, irrémédiablement irréparable. Je ne suis pas brisé. Oh, grâce au ciel, maître. Je présume que tu donnes une conférence à l'Académie des sciences. Non, je vais à l'école pour apprendre plein de choses, pour devenir un vrai garçon et que mon père soit fier. Un vrai garçon? Pourquoi diable veux-tu être vrai alors que tu peux être célèbre? Célèbre? Oui, célèbre. Je parle, mon cher, de théâtre, projecteur, musique, applaudissements, triomphe. Être célèbre, c'est être vrai. Tant que tu ne l'es pas, tu n'es personne. Tu veux être personne? Non, je connais personne qui voudrait être personne. Toute personne qui n'est pas personne a envie d'être une personne. Pourquoi étudier quand on a une telle personnalité, un tel profil, un tel physique? Regarde-le, il est né pour être acteur, hein, Gédéon? Et pas qu'acteur, entrepreneur, que dis-je, influenceur! Ton père serait fier comme pas deux. C'est vrai? Non, évidemment que c'est vrai, quand il verra ton nom en lettres lumineuses, étalées sur 2 mètres de haut. C'est quoi ton nom déjà? Pinocchio. Pinocchio! P-I-N-O! Peut-être bien, car on s'en fiche, il y a trop de lettres. Il te faut un nom de scène efficace, simple. Sam Dufresne, Sacha Teignier, je le tiens. Arsène Lupin. Non, ça marchera jamais. Hi, dear lady, à moi la vie d'artiste. On peut porter des gilets tout droit, de gros diamants presque à tous les doigts. Hi, dear lady, là, la vie est un gala. Et quand on est une célébrité, le monde est un gros... Qui? De qui, de quoi? À qui parle-t-on? C'est quoi un Jiminy? Mais où? Je vois pas. Il est où? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux dire que quoi? Autodirigée, l'apprentissage par renforcement, il est clair que non. Il n'explore aucun nouveau mode d'enseignement. Oh, mon pauvre, pauvre petit garçon incompris. Tu ne vois donc pas? Tu n'as pas ta place dans un environnement éducatif classique. Tu es un incompris, comme l'ont tous été les grands acteurs qui ont vu le jour sur cette terre. L'école, c'est réservé aux gamins insipides, rasoirs, sans originalité. Pas aux brillants artistes dans ton genre. Toi, tu vises la célébrité et la fortune. Mais c'est que mon père... voulait que tu ailles à l'école et tu l'as fait. Tu es allé à l'école, tu as fait ton devoir scolaire. C'est Stromboli. À nous, la célébrité. Hi, dear lady, à moi la vie d'artiste. On peut entendre sonner midi tout en prenant son café au lit. Hi, dear lady, da. La vie est un gala. Dans un carrosse qu'on n'a pas payé, oh oui, les gens qui s'en vont à pied, l'on se bourre de sucre.